Salutations, petit ami YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans Dragon's Dogma Dark Arisen. On n'a plus vraiment de mission à récupérer, donc on va s'occuper de Corruption Épreuve, qui est quand même une quête plus ou moins principale. Et il faut récupérer la liste de cadeaux. La liste de cadeaux, elle est dans la maison noble, si je me rappelle bien. Et il va falloir aller la chercher. Donc, hop, carte. Donc là, la carte nous donne zéro indication. Donc ça c'est plutôt dommage. Mais moi je me souviens que c'est dans le quartier des nobles. Donc ça doit être ici. Et c'est dans une des deux maisons. Je me rappelle plus laquelle. Mais c'est pas grave. On va aller voir ça. Alors de mémoire aller chez Fournival. Donc on va aller voir. Tiens, il y a des nouvelles quêtes aussi à prendre chez lui. Hop. Ah il faut aller garder sa fille aussi lui. Alors attends. Une chose à la fois mec. Déjà on va essayer de trouver cette note. Parce qu'il me semblait l'avoir ramassée. Mais bon. A priori, je ne l'ai pas. Ah, 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 voilà, liste de cadeaux. Hop là, informer Arsmith. Ça, c'est cool. Et du coup, on va aussi faire en même temps la quête de la gamine, qui est plutôt chiante à faire. On va... hop. Donc, en gros, il va nous demander de garder sa fille. Faites le tour de la ville avec Sycomore. Avec Simone, pardon. Qu'est-ce que t'es chiante. Voilà, ça va triste. Vous voyez ce que je vous dirais, mais je me suis bien fait comprendre. Oui, ça veut pas dire que je vais le faire. Allez, de toute façon, j'ai pas le choix que d'accepter. Donc du coup, on va aller à la fontaine. L'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir rendre l'autre quête. Mais bon. Oh mon dieu, tu cours telle une Dédèle. Mais bon, t'es moins sexe et pas assez âgé pour ressembler à Dédèle. Oui, donc du coup, là, il suffit de la suivre, hein. C'est pas non plus très compliqué. Oh, tu t'es gamellé, c'est dommage. Je peux t'en mettre une dans la gueule, pour le coup? Non? Bon, tant pis. Ouais, pas mal, ouais. Allez, mais bouge ton cul, je vais pas te laisser là, je veux que t'avances. J'ai presque envie de la saisir et de l'embarquer sous le bras et d'aller à la quête directement. Malheureusement, si vous faites ça, le gros souci, c'est qu'elle va revenir à l'endroit où vous l'avez prise sous le bras, quoi. Les trois quarts du temps. Et c'est bien chiant, du coup. Du coup, c'est une carte d'escorte vraiment chiante. Mais je pense que c'est fait pour, hein. Parce que grosso modo, bah, on doit juste se faire chier à l'amener là-bas, quoi. Moi, ce que j'ai pas la bonne quête d'activer, et que je sois aussi toujours sur Arsmith. Ouais, bref, de toute façon, on va faire les deux quêtes en même temps. Ok, elle veut nous parler. Ce content de marché est terriblement nu, vous ne trouvez pas, vous avez des dons pour la chasse, n'êtes pas, faisant qu'une partie de cache-cache. C'est moi qui me cacherai naturellement et essayer de me retrouver si vous en êtes capable. Ça doit être une tâche aisée pour l'insurgé, on va vite le savoir de toute façon. Ouais, sauf que bon, que je te dise, est-ce que je suis vraiment obligé de la faire cette quête? Parce que c'est pas que je m'en contrefous ta vie, mais... Trouver Simone, ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est plutôt que d'aller chercher Simone... C'est qu'on va déjà aller rendre la quête à Arsmith, histoire que ce soit fait. Voilà. Hop, on lui rend la liste de cadeaux. Voilà. Et on récupère 40 000 de thunes et 5 000 d'XP. D'ailleurs, il y a un truc. Récupérer du grand chambellan. On récupère en même temps la nouvelle quête. Voilà. Au passage, comme ça, ça sera fait. Il va me donner des informations. Hop. Lettre du grand chambellan, parce que je l'avais déjà. Ouais. Voilà. Et ça, c'est fait. Ok, donc à partir de là, on a joué à la nourrice. Je sais pas, est-ce qu'on sait où elle est, cette petite conne? Non, je me rappelle pas. Elle doit être dans la fontaine ou une connerie dans le genre. Mission complétée, oui, la mission de taverne. Je vous avouerai que je me souviens plus du tout où elle se cache, la Simone. Ça va être assez embêtant de la retrouver. Bref. Alors, il faut préparer une bouteille d'eau pour la gamine. Ok, la bouteille d'eau, où est-ce que je vais pouvoir la prendre, la bouteille d'eau? Alors je sais qu'elle est là-dedans, enfin d'après ce que j'ai compris, elle est cachée ici. Mais déjà, il faut récupérer une bouteille d'eau. Le problème, c'est est-ce que j'ai ça dans tout mon bordel? Est-ce que j'ai une bouteille d'eau? J'ai de l'eau de source, j'ai de l'eau magique, mais une bouteille d'eau, de l'eau pure. D'ailleurs, on va en prendre un petit peu.
Je pense que c'est de l'eau normale qu'elle va vouloir. Huile de chêne, liqueur de cocatrix. Alors pourquoi je m'embête à faire aussi bien la quête? C'est parce que théoriquement, si on la fait bien, on va récupérer un œuf d'or. Avec l'œuf d'or, on va pouvoir le filer à son père. Et on aura un comment ça s'appelle? Une idole d'or, ce qui est plutôt pas mal. Champignons saumure, panacée. J'ai forcément de l'eau dans tout ce bordel. Le problème, c'est où est-ce que c'est? C'est peut-être pas dans les remèdes, c'était dans les outils, la bouteille d'eau en fait. Bouteille de poids, ouais, non, je suis pas sûr qu'elle va aimer. Voilà, on va récupérer deux bouteilles d'eau. Voilà. On va pas se reposer, on va récupérer la gamine. Voilà, je t'ai trouvé. Hop. Je crois qu'il faut aller. Après, elle va me proposer une course. Hop, faites le tour de la ville avec Simone. À un moment, elle va me proposer une course et il va falloir que je la laisse gagner. Enfin, il me semble qu'il faut que je la laisse gagner. Je sais plus s'il faut la battre ou la laisser gagner. Je sais plus s'il faut la battre. Enfin, franchement, je m'en rappelle plus. S'il faut la laisser gagner ou s'il faut la battre pour avoir l'idole d'or. Donc bon, on va la laisser faire son marché. De toute façon, voilà. Puis au pire, je vais sauvegarder et puis je ferai une ellipse. Si maintenant le problème, c'est décider est-ce que je la bats ou est-ce que je la bats pas. Je crois qu'il faut pas la battre pour avoir l'idole d'or et avoir fait le mieux possible la nounou. Bon, on va sauvegarder et faire une petite ellipse. Parce que c'est pas que, mais c'est pas vraiment intéressant de me voir suivre cette putain de gamine qui ressemble plus à une naine qu'autre chose. Pour vous. Ok, c'est là qu'elle va me demander l'eau, je crois. Je suis à moitié mort de soif, s'il vous plaît, allez me chercher de l'eau. Hop, là, je dois pouvoir lui donner. Voilà, une bouteille d'eau. Au moins comme ça, on perd pas de temps. C'est dommage de vous gâcher comme nourriture pour le dragon. Vous faites un bon laquais. J'ai envie de te fracasser la gueule, mais c'est pas grave. Je vais sauvegarder au cas où, parce que je vais pas la battre pour avoir l'idole d'or. Et s'il faut, je la battrai, parce que je me rappelle plus exactement de ce qu'il faut. Qu'avez-vous d'une course? Voilà ce qui arrive en premier là-bas. Vous voyez ce portail? Et s'il vous plaît, courez pour de vrai, sœur. Je ne veux pas être traité avec condescendance. Ouais, donc faut que je la batte. Enfin, je suppose. Ok. Faites la course avec Simone. Oui, bah. En même temps, elle est tellement facile à battre que je suis pas sûr qu'il faille pas la laisser gagner. Je m'en rappelle plus. Je crois qu'il faut que je la laisse gagner. Mais bon. Ta-ta-ta-ta-ta. De toute façon, je sauvegardais avant, donc théoriquement, ça devrait être bon. Puis c'est plus dur de la laisser gagner que de la battre, honnêtement. Puis faut surtout pas la bousculer en plus. Voilà. Et puis si elle me file pas l'œuf d'or et l'idole d'or, et bah écoute, on la massacrera. Hop. J'ai gagné, j'ai battu l'insurgé, c'est plus facile que je l'aurais cru. Pour un rond, vous êtes presque aussi lent que père. Je commence à fatiguer, j'ai marché toute la journée. Père devait être rentré à la maison sous peu, rentrons nous aussi. Vous allez m'escorter jusqu'à la maison, ça va de soi. Ah, ok, nickel. Merci, sœur. Et bravo, je savais que vous étiez la personne qui s'est dressée. Ma fille chante vos louanges. On dirait que l'insurgé peut commander au cœur d'autres personnes que les pions. La prochaine fois que j'aurai besoin de quelque chose, je viendrai vous voir directement. Mission complete. Et normalement, elle me file le truc. Prenez ça. Elle m'a filé l'œuf d'or. Là, on reparle à lui. Hop. Merde, je peux pas. J'ai eu que l'œuf d'or? T'es sérieux? Normalement, t'es censé me filer. Alors, je vais vérifier, mais il me semble bien. Bon, du coup, on va devoir recommencer, hein. Parce que l'œuf d'or, c'est bien, hein, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Donc, du coup, il va falloir que je la batte, a priori. Bon, je vous cacherai pas que j'arrive pas à récupérer la sauvegarde, donc on va continuer avec l'œuf d'or, plutôt que l'idole d'or, mais au moins vous saurez où la récupérer pour obtenir l'idole d'or. Donc du coup, on va continuer les quêtes.
Les... Ouais, alors la viande de plat tournée, ça j'arrive pas à les faire. Les sangliers, on s'en fout. La brosse de serpent, c'est de la chance. La folle de l'oreiller, c'est pour plus tard. Donc on a un peu fait toutes les quêtes possibles et imaginables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir monsieur qui va nous dire la prochaine quête. Il faut aller faire la rédemption, blablabla. Je vous en prie, notez bien que tous les signes de la rédemption, pendant que vous vaquez à vos occupations, venez si vous trouvez quoi que ce soit. Un culte mystérieux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ce Meredith semble détenir les informations. Oui, bah, de toute façon, déjà on va activer la quête, ça sera mieux. Ensuite, on va regarder où c'est et il faut aller à l'auberge, tout simplement. Faut que j'ai déjà les informations? Comment ça se fait que j'ai déjà tout? D'accord. Pourquoi il me donne ça? Bref, c'est pas grave. De toute façon, on n'a plus qu'à suivre la carte pour trouver Meredith et l'autre pour avoir les informations qu'il nous faut. Alors, le premier, c'est Monsieur Meredith. Hop. Voilà. Parler avec Mason. Du coup, on peut reparler à Caegis pour qu'elle apprenne bien. Mais tu vois. Peut accepter de parler. Voilà, Mason vit dans les bas quartiers, c'est cool. Du coup, on peut aller dans les bas quartiers. Il est sous le pont, si je me rappelle bien. Il y a une histoire comme ça. Ouais. Fais gaffe à qui on bouscule parce qu'on peut se retrouver en tôle assez vite. Alors, c'est pas que c'est super chiant d'en sortir ou autre. C'est juste que. Enfin, c'est pas dur d'en sortir. C'est juste que c'est long d'en sortir. Et c'est une perte de temps que je préférerais éviter dans cette vidéo. Il n'est pas censé être par là, Mason? D'accord. Enfin, par là, en dessous, parce que voilà. On va éviter peut-être de sauter par là. Ça pourrait faire mal, hein. Ouais. Merde. Ah, il y a de l'eau en dessous. Non, c'est bon. Je me suis pris un rocher dans la gueule. Qu'est-ce que je trouve là-dessus? Oh, une pierre. J'aurais dit qu'il y avait autre chose. Mason, il est par là-bas. Je peux marcher là-dedans, non? Ouais. Je prends un peu d'aider de la flotte, mais c'est pas bien grave. Mason, c'est pas toi, Mason. Oui, on s'en fout d'être trempé d'eau. Voilà, c'est un clodo, Mason. Voilà. Allez. On dirait que vous partez au même objectif. Ça vous poursuit mon investigation. Eh oui, je suis bien obligé de toute façon. J'ai un badge de la rédemption, super. Reprendre l'enquête sur la rédemption. Reprendre l'enquête sur la rédemption, ça veut dire, si je me rappelle bien, aller la nuit, voilà. Utiliser le badge de la rédemption confié par Mason pour découvrir de nouveaux indices sur les motivations du culte. Et je crois qu'il faut y aller la nuit, hop, dans un endroit qui a rien à voir. Hop, non, tu veux pas passer à la carte région? Non, non, il veut pas. Bon, bah, du coup, on va déjà sortir de là. On va aller trouver, mais je pense que Caegis, elle connaît la quête. Hop, et pourquoi je peux pas lui parler? Allez, fini d'incanter. On va voir ce qu'elle me donne comme information. Cérus sait quelque chose, gagnant 5 enfances grâce à ce badge. Donc allons voir Cérus. Sauf que forcément, bah, il faut déjà tout se taper et tout remonter pour aller le voir. Bon, on va en profiter quand même pour parler à tout le monde, même si en gros, ils vont me dire qu'ils savent rien. Ça fait toujours mieux hein, de faire la quête en entier. Oh là, pardon, je t'ai bousculé, je crois. Hop là, le garde, Flaviane, allez, parle, on s'en fout que tu sois bousculé. Voilà. L'ordre. Ah, non, c'est lui, certes. D'accord. Bref, donc il nous dit qu'effectivement il y a les activités nocturnes sous le pont, etc. Donc c'est là-bas qu'il va falloir aller, mais je crois qu'il faut y aller de nuit, si je me rappelle bien. Fouiller les cryptes souterraines et mener votre enquête. Ah non, je peux peut-être y aller 2 jours alors. Sachant qu'en plus il va falloir que je vous fasse une ellipse parce que, bah, comme je vous l'ai déjà dit, Capcom aime pas du tout qu'on spoil ses jeux ou qu'on fasse une solution du jeu, ou même qu'on fasse un let's play du jeu. Et du coup on se bouffe des strikes assez facilement avec cette série. C'est aussi pour ça que je la refais, parce qu'il me semble que quand j'avais fait mon let's play, il y avait des épisodes qui avaient été strikés, bah, juste parce que j'avais laissé des vidéos. Alors bon, certes vous avez un peu moins d'histoire, hein, mais au moins on est sûr que la vidéo va rester, puis au moins vous avez la solution de comment faire les différentes tâches.
Après, j'espère que vous avez, que cette série vous plaît toujours. Je sais que le jeu, quand cette vidéo va sortir, bah de quoi tu es allé? Oh, que la nouvelle version sur Switch sera sortie. Donc je pense que, enfin, j'espère que ça aidera les gens d'avoir cette solution. Après, à voir si le jeu n'y a pas beaucoup de modifications sur la version Switch. Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup, mais bon. Hop là, toi tu meurs. Mais oui, dans l'absolu, il risque quand même d'en y avoir. Hop là, il n'y a pas un petit coffre là-dedans? Il risque d'y en avoir un peu. Non, il y a juste ça. Les chiffons absorbants, ça peut toujours être pratique contre la flotte. Mais bon, c'est pas le plus gros des problèmes. Donc les catacombes, bah oui, je peux rentrer là par les catacombes. Pourquoi du coup je ne peux pas? Il va pas vouloir rentrer là, c'est ça? Il va considérer que c'est bon ou pas? Ouais, je rentre pas forcément par là où je suis censé rentrer, j'avoue. Mais ah bah oui, il veut pas. Ok, j'ai rien dit. Bah, c'est pas grave, hein, on va prendre l'autre chemin du coup. Parce que oui, je connais les chemins pour aller plus vite dans les catacombes, mais j'ai oublié de débloquer le passage pour vous faire plus rapidement cette vidéo. Et en même temps, je crois que si j'avais débloqué le passage, j'aurais pas vraiment pu le débloquer sans avoir la vidéo. Et enfin bon, bref, ça aurait foutu le zbeul après dans le jeu. Parce que si on essaie de prendre un raccourci dans ce jeu, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que ça fait des paradoxes en gros. Vous avez des informations avant. C'est très pratique quand on veut speedrunner le jeu, mais quand on veut juste tracer entre guillemets, malheureusement, on rate beaucoup, beaucoup de choses. Enfin bref, continuons. Ok, on arrive enfin devant les catacombes. On va rentrer. Et ma foi, bah, le pire c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces catacombes dans l'absolu. Ouais, restez sur vos gardes. Le truc, c'est qu'il va falloir les passer, littéralement. Et qu'il va falloir se rendre à la sortie, grosso modo là où on était tout à l'heure. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux mettre ma. Alors, ça y est, on joue plus pendant quelques temps, on oublie. On n'a plus les bons réflexes, voilà. Mettons de la lumière. Donc vous avez beaucoup de choses potentiellement à trouver dans ces catacombes. Mais je crois que j'en avais déjà parlé. Et déjà. Hop là, la dent en or, on va quand même peut-être la récupérer. Hop là. Ça peut être pratique. Vous avez différents passages secrets. Ça peut être sympa pour faire les quêtes qui vous demandent de faire des zombies. Hop là. Mais surtout, l'avantage. Ouais. Hop. Pas de sexisme, hein. C'est pas parce que t'es une femme zombie qu'on va te pas te défoncer. Voilà, impossible de l'ouvrir, elle est sans doute condamnée par un mécanisme quelconque. Ça, c'est la fameuse porte. Hop. Alors, il y a plein de passages secrets dans. Je vous avouerai que je m'en souviens plus parce que ça fait un bail que j'ai pas fait ce genre de quête. Alors, je sais qu'on peut les trouver, hein. C'est pas non plus. Le plus dur à faire, ouais, un crâne, mais bon, pour ah, là, ben, il est là tout simplement. Hop, je savais bien que c'était pas compliqué. Si je m'en rappelle pas, généralement dans les jeux, c'est que c'est pas compliqué et que c'est usé, enfin, et que c'est assez obvious à trouver quoi. Hop, un mort qui marche, oui, bah ben, en même temps, un Walking Dead, hop, ouais, il déteste le feu, ouais. J'ai envie de te dire, je m'en contrefous de les buter ou pas. Non, mais c'est bien beau de prendre des passages secrets, mais c'est pas du tout là que je dois me rendre. Donc, c'est bien, je vous aurais montré le passage. Quoique, je peux en profiter pour. Il me semble que c'est un passage secret. Ouais, tais-toi, toi. Il me semble que c'est un des raccourcis. Le problème, c'est que cette. Comment ça s'appelle? Ces cryptes, ces catacombes. Il y a énormément de passages. C'est un gros labyrinthe. Ce qui est bien quelque part parce que ça montre certaines choses. Mais et merde, j'ai oublié de casser la porte, le truc qui barre la porte pour s'en servir de raccourci. Du coup, il va falloir remonter parce que voilà. Hop. D'ailleurs, c'est dans ces caves que normalement vous pouvez aléatoirement avoir la deuxième page du journal. Qui bah, peut popper. D'ailleurs, je ne passe jamais ici quand j'ai un pion avec moi,
les animations d'ascenseur, parce qu'il faut savoir que le jeu bug, hein. Et oui, ils ont toujours pas réparé les bugs, même des années plus tard. Et qu'en gros, si vous passez comment dirais-je, les cinématiques d'ascenseur, il y a de fortes chances que votre pion se retrouve sous l'ascenseur et crève instantanément. Et ça, ma foi, bah forcément, c'est plutôt problématique. Si vous combattez avec votre pion, de le perdre comme ça. Bref, on va arriver à la cinématique où on va avoir un connard qui va nous faire chier. Grosso modo, oula, t'avais complètement zappé, toi. Alors, on va faire attention un minimum. C'est pas ça que je voulais faire. Mais ah si, c'est ça que je voulais faire, le contre. Pardon. J'ai eu peur que ça m'ait fait autre chose. Ok, on récupère un bracelet d'ange, on en aura besoin bien plus tard. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu essaies de faire un sort de feu sur quoi exactement? Oui, tu me diras, le zombie, au moins, il va attendre que tu fasses le sort. Ah là là, ces temps de cast qui sont complètement débiles sur ce jeu. Enfin, c'est pas qu'ils sont débiles, mais ils sont vraiment très très lents. Et à part sur les boss qui laissent un petit peu tranquille vos potes, bah, je préfère avoir un healer, quoi. Allez, on va sauvegarder au cas où. On sait jamais. Histoire que si ça bug, je me méfie toujours, hein, de passer les cinématiques dans ce jeu. Honnêtement, ça peut vraiment vous amener à avoir pas mal de bugs. Ce qui est assez étrange d'ailleurs quand on y pense. Je sais pas exactement à quoi c'est dû. Mais bon. Voilà. Hop, trouvons les voies. Oh, je me demande si je descends à cette échelle, je vais trouver ce que je cherche. Alors là, il y a deux chemins. Hein. Bon, donc, on va bourriner. Oh, bah c'est fermé. Hop là. Là, on comprend rien à ce qu'elle raconte. Par où il faut aller déjà? Je crois que c'est par là. Hop. Là, ça va être fermé. Et du coup, on va aller là. Voilà, là je vais couper, hein. On voit l'autre abruti qui fait ses merdes. Et on va devoir le dégommer avec le chevalier tout pourri. Voilà. Ok, du coup j'ai zappé la cinématique et ça bug, hein, forcément. Je sais plus comment ça se passe, mais... Ah si, ça y est. Ah, tu es venu te joindre au rang insurgé? Bah, à la base, je suis venu là pour tous vous démolir, mais bon. Ah et merde. Ah, ce truc qui marche mal. Bon, là, c'est pas super intéressant le boss, hein, honnêtement. Enfin, c'est plus de la poursuite qu'autre chose. Il est où ce con? Ah, t'es pas encore morte? Pardon. Voilà, l'union fait la force. Ouais, j'ai une petite serpe. Ils mettent 3 heures à popper, hein, donc c'est vraiment pas compliqué de les buter. Théoriquement, si vous avez un peu farmé, bah, vous y arriverez facilement. Et au pire des cas, ça vous donne de nouvelles infos. Voilà, le champion de la nuit. Bah, on la prendra plus tard, mais bon. En même temps, c'est une solution. J'ai pas dit que j'allais vous spoiler l'histoire. Hein. Donc, au pire des cas, bah, coupez les cinématiques. C'est pas bien grave. Puisque. Justice rendue, vie et mort. Comment ça? Justice rendue, vous avez fait votre choix en tant qu'insurgé. Oui, je l'ai pas tué, je me suis barré du coup. Ouais, vous avez un type, vous pouvez choisir de le buter ou pas. C'est. Mais bon. Donc j'ai été gentil. Oui, bah écoute. Au moins comme ça, l'avantage c'est que ça va. Alors oui, pourquoi je le laisse en vie? Parce que ça débloque une autre quête où on va chercher à vous tuer. Mais bon. En même temps, le tuer, ça ramène pas grand-chose non plus. Allez, et théoriquement, on va pouvoir aller rendre la quête. Parce que du coup, on a débloqué le super raccourci. Et on doit juste retourner à la capitale pour rendre la quête. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va sûrement mettre fin à cette vidéo ici. Enfin, au moment où on va rendre la quête, quoi. Ah. Ok, donc on va rendre la quête à monsieur. Il va être content. Il va nous remercier. Oh, je passe niveau 114, c'est cool. On a fini une mission plus ou moins d'histoire. Donc il faut vérifier si vous, encore une fois, hein, à chaque fois, je le dirai jamais assez, mais si vous voulez faire tous les quêtes du jeu,
N'oubliez pas à chaque fois d'aller vérifier dans les différentes auberges s'il n'y a pas des quêtes qui se sont débloquées, puisqu'il y a certaines quêtes qui se débloquent plus ou moins bizarrement. Du moins, je trouve. Pourtant, j'ai fait le jeu quelques fois, mais j'ai toujours des soucis pour savoir exactement quand se débloquent certaines quêtes. Oh, un clairon martial. J'en ai toujours pas 50, mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, oui, je vais mettre fin à l'épisode ici. Donc, c'était la fin de Dragon's Dogma Lassolus, épisode 13. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce up et à poser vos questions et vos remarques dans les commentaires. Et si vous êtes motivé à aller sur Tipeee pour regarder quelques publicités, voire me laisser un pourboire. Allez, bye bye, petit ami YouTube.